and we will trust. L'arme fatale a encore frappé. On ne triche pas avec l'art. And we will trust. Vous êtes en train de suivre toute la Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Cabanga contre Portugal. Viva o Tupamaros torcida verde. Um tema Pembe vai ganhar na terça-feira. Le Darien Uni est imbattable. Devise Mabissot. Les amoureux du catch de la capitale sont tenus en haleine depuis peu par la deuxième édition de la ceinture Turbo King. Et dans ce reportage, Papi Katasi Rigomulopo nous dresse les parcours des finalistes des différents districts. Démarré depuis le mois de mars de cette année, le championnat ceinture Turbo King, deuxième de la série, continue son aventure. Le 30 août dernier, le terrain Mimosa, dans la commune d'Engalema, a livré les secrets des quatre champions des quatre districts. Le public ainsi que les consommateurs de la première bière brune de la RDC Turbo King ont eu droit à un spectacle de qualité et unique, catch professionnel dans le vrai sens du mot. La Lukunga a eu comme champion Chobo Chobo, qui s'est défait de Maître Judano. Le Mwamba a comme champion chez Méchant le vieux Gaston qui n'a pas laissé du temps et de l'espace en Zambé. La Funa sera représentée par George Kabongo des États-Unis qui, après une bataille âpre, s'est débarrassé de l'homme masqué Patty Anyata. Et pour terminer, la Changu aura comme représentant Django Mabende Poussière, facile ou difficile vainqueur du très technicien Zefi Bolia. Ainsi donc, le Carré d'As sera formé de George Kabongo États-Unis pour la Funa, Chez Méchant pour les Mwamba, Chobo Chobo pour le compte de la Lukunga et de Django Mabende pour la Changu. Le rendez-vous est donc fixé pour la fin de ce mois, avant bien sûr l'ultime bataille face au tenant du titre Nanga Steve Mazamalu Sambula. Lelo Nanga Steve va comme le roi unité de mesure. Donc c'est-à-dire que Moutunyoso, Nengazaki Kala, Fona Bunane Dingona Bete Dingona Zouapenda Mwa, Ampleur, Lelo comme son abeti Nanga, son abunina Nanga, Mounika unité de mesure. Il n'y a pas Misuki Siwanate. Alobi, en tout cas, à part sport, lobby soko tikiango, jeunesse au legaining, pour mon lilo, jeunesse à biso a commis penda mal orienté. Il y a un système d'intégration, c'est-à-dire, bah sportif foyo, bah kendaki, bah sali na simandaku, mais bah eba na fédération, t'es le lobo bengi bakuluna. Mais bah zapeka bah tout le roi biso. Faut bah zala intégrer, c'est-à-dire, faut qu'on sabango déontologie sportive, que pour l'axabango nzila, comment gagner, comment être un grand champion. C'est-à-dire, il faut combattre selon les normes. Ba non mes amis, les disciplines, les règles sportives. Les documents sont les alliés dans la fédération. Les gens sont dans le bureau, ils sont dans le temps. Mais les sportifs sont les alliés dans les documents. Donc, on a un lobby de manière macroscopique. Les alliés sont que les lots, la fois passée à Kendagi, ils ont une licence internationale professionnelle. Il y a catch français. Les lots ont accueilli une formation des entraîneurs du catch à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc, les lots, deuxième phase, les alliés en octobre, Awa. Donc du 1er au 13 octobre. Tout ceci à cause de 10 000 $, 5 000 $ cash et 5 000 $ valeur d'un bar. Prix signé Turbo King. Dodi Loxen, Dodi Loxen. Aris Mavinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.